j'ai commencé à étouffer. Donc le 30 mars, on me descend en urgence, en réanimation. Là, je suis intubé, mis en sommeil artificiel, jusqu'au 12. C'est quand même une longue période. Je suis resté entre la vie et la mort. Voilà. Et à partir du 12, je suis réveillé, repris en main, repris en charge, etc. Écoutez, on relativise beaucoup de choses. La vie prend complètement un autre sens. Je suis resté longtemps ici, donc ça m'a permis de beaucoup de réfléchir, de faire un peu le point. Voilà. Mais alors, je me sens mieux. Je me sens mieux puisque je quitte l'hôpital aujourd'hui. On m'a arraché de la mort. Je crois que tous mes amis pensaient que c'était à peu près foutu. Et beaucoup ont été heureusement surpris, et comme moi-même, de la rapidité avec laquelle j'ai réémergé de cette maladie. Donc c'est un grand merci du fond du cœur. Un grand merci du fond du cœur, et que je voulais que les Martin Niquet prennent conscience qu'ils ont là des sacrées équipes. C'est pas tant les compétences, parce que je pense qu'il y a des compétences partout. Il y a une motivation, vraiment une grande motivation.